Dans votre procès-verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, à la troisième page, vous aviez déclaré avoir été réveillé et informé par l'officier d'opération Joseph Makambo d'une manifestation le lendemain et que vous aviez appelé M. Sidia Touré pour lui demander un report de la dite manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Reprenez la question. Je disais, oui. Dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, oui. À la troisième page, oui. Vous aviez déclaré avoir été réveillé et informé par votre officier d'opération, Joseph Makambo, d'une manifestation le lendemain, et que vous aviez appelé M. Sidia pour lui demander un report de la dite manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Oui, je maintiens. Monsieur le Président, s'il y a manifestation, l'autorité que vous devriez appeler pour le maintien d'ordre n'était-elle pas le ministre de la Sécurité? Je peux appeler qui je veux. Je pouvais appeler qui je veux parce que j'étais le président à l'époque. Je n'ai pas besoin de faire des calculs si je dois appeler tel. J'appelais qui je pouvais et c'est ce que j'ai fait. Parce que je savais que M. Sidia était un leader charismatique. Voilà, madame. D'accord. Si le ministre de la Sécurité était responsabilisé pour le maintien d'ordre le 28 septembre 2009, est-ce qu'on ne pourrait pas éviter ce qui était arrivé? Que si le ministre de... La Sécurité était responsabilisé pour le maintien d'ordre ce jour 28 septembre 2009, est-ce qu'on ne pouvait pas éviter ce qui était arrivé? Mais leur présence était au stade et le général Toto même dans ses explications, si vous regardez bien son PV, il a dit qu'il a fait le tour un peu de la ville pour voir comment les éléments se comportaient, il calmait les policiers ainsi de suite. Donc c'était son rôle et il a joué son rôle, j'estime bien. Alors pourquoi ils ne sont pas dans cette salle avec vous? Vous dites? J'ai dit pourquoi ils ne sont pas dans cette salle avec vous? Lesquels? Je parle du ministre de la Sécurité et de sa suite, du directeur. Bon, paix à l'âme de feu général Toto. Oui. Et ils ne sont pas... Bon, même si le feu général Toto était dans cette salle, j'allais même qualifier d'injustice. D'injustice. On ne pouvait pas inculper général Toto, m'inculper et ne pas inculper Sékouba Konaté. Sékouba Konaté n'était pas le ministre de la Sécurité. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Même ce que vous êtes en train de se mettre à ribot, non? Oh oui, c'est Maître Haribo. C'est Maître Haribo, non? Effectivement. Et vous vous rendrez compte que, vous allez vous rendre compte que quand les preuves vont tomber, même, vous allez vous rendre compte que c'est pas quelqu'un qui est, mais je laisse ça commander par devers. Je le dis bien clairement. Je dis que c'était une forme d'injustice. Sékouba Konaté est un ministre de la Défense. Effectivement. Ministre de la Défense. Monsieur Camara. Ouais. Il veut savoir pourquoi le ministre de la l'ex-ministre de la Sécurité et sa suite, je la paraphrase, pourquoi ceux-ci ne sont pas dans la salle? Bon, c'est une forme d'injustice. La sélection, ils ont sélectionné. Il y a eu une sélection. Madame. D'autres questions? D'accord, monsieur le président. Est-ce que dans l'histoire de l'humanité, vous aviez appris qu'un chef d'État s'était déplacé pour venir sur les lieux de manifestation en vue de sensibiliser les manifestants? Ouais, ça c'est... Vous savez, l'homme reste toujours l'homme, hein, et puis c'est aussi ma nature. C'est ma nature. Personne ne peut me condamner par rapport à ça, c'est ma nature. C'est ma nature. Et je vais mourir comme ça. Voilà, madame. C'est pas parce que je suis président que je ne voudrais pas le faire. C'est ma nature, c'est ma nature. Voilà. D'accord. Et peut-être cette nature pouvait même être autrement. Je pouvais même ne pas être compris.
C'est ça aussi le problème. Donc, je ne peux pas changer ça. Ni vous, ni personne ne peut me changer ma nature. Merci, Monsieur le Président. Je poursuis. Parmi les prérogatives d'un chef d'État, est-ce qu'il y a le maintien d'ordre? Le maintien d'ordre, ça revient à la gendarmerie et à la police, au ministère de la Sécurité et à l'état-major de la gendarmerie. Donc, pas au président de la République? Non, le président de la République, c'est pas son rôle. Donc, pourquoi vous avez voulu en ce moment vous rendre au stade? Pourquoi vous aviez voulu vous rendre au stade en ce moment? Madame, si je l'ai, c'est ce que je viens de vous dire. J'ai dit, c'est ma nature. C'est ma nature. J'ai pensé qu'à l'époque, ces populations pouvaient avoir de la sympathie pour moi. Peut-être que je m'y trompais. Là aussi, c'est ça. Ce n'était pas à 100% que si je m'y rendais et que la chose allait être escomptée dans le bon sens. D'accord. Je continue. Oui. Monsieur le Président, est-ce que votre volonté ce jour de venir sur les lieux de manifestation n'était-elle pas de réprimer les manifestants? Comment? Votre volonté ce jour de venir sur les lieux de manifestation n'était-elle pas de réprimer les manifestants? Mais madame, quand même, ayons le bon sens, quelqu'un qui se déplace ou qui veut se déplacer, aller vers les manifestants. Est-ce que on peut penser que cet homme a une mauvaise intention d'aller brutaliser ces manifestants? Non, me connaissant, je me mets dans ma position, dans mon esprit. Je ne me mets pas dans votre esprit, madame. Désolé. Je me mets dans mon esprit, dans ma pensée. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur le Président. C'est pour ça que je dis que vous ne pouvez pas contre ça, c'est ma nature. Donc, j'y allais pensant que cette population avait de la sympathie pour moi. Et que là-bas, ce jour, j'allais avoir la chance afin de les calmer. Si je ne suis pas parti, alors, je dis que c'est Dieu qui ne l'a pas voulu. D'accord. Quand vous avez été empêché d'aller au stade et étant à votre bureau, vos services de renseignement ne vous remontaient pas d'informations sur l'état de la ville? Oui, madame, vous savez, le problème des services de renseignement, il y a beaucoup de choses que je ne veux pas toucher. Il faut juste avoir la chance, d'avoir des hommes fidèles qui peuvent vous remonter des informations sûres. Sinon, il y a même des informations qu'on peut même donner à un chef d'État qui lui permet même de commettre quelque chose qui ne devrait pas le faire. Donc, à ce niveau, ce n'est pas sûr à 100%. Il faut juste avoir de la chance. Voilà. Donc, je ne vais pas m'apesantir par rapport au service de renseignement. Non. D'accord, Monsieur le Président. Les événements du 28 septembre 2009 avaient commencé la matinée et se s'étaient poursuivis jusqu'au lendemain avec, bien entendu, des enlèvements, des pillages, des séquestrations à travers la ville. En tant que président de la République, Monsieur le Président, le garant de la sécurité de vos concitoyens, qu'est-ce que vous aviez concrètement fait pour arrêter cette situation? Qu'est-ce que j'ai? Vous aviez concrètement fait pour arrêter cette situation. Pour faire quoi? Je disais, les événements du 28 septembre 2009 oui. avaient commencé la matinée et s'étaient poursuivis jusqu'au lendemain avec des enlèvements, des pillages, des séquestrations à travers la ville. En tant que président de la République, le premier garant de la sécurité de vos concitoyens, qu'est-ce que vous aviez fait concrètement pour arrêter cette situation? Madame... C'est vous qui le dites. Si effectivement tous ces événements, tous ces faits que vous êtes en train d'énumérer, si je n'ai pas été informé à temps,
Je ne pouvais pas maîtriser toute la situation au même moment. Parce que dans votre procès verbal d'interrogatoire, à la quatrième page, vous avez déclaré ce qui suit. J'étais à mon bureau en larmes, voyant tout le poids qui pesait sur ma tête. Est-ce que, en pareil cas, le président de la République, au lieu de rentrer, de s'enfermer dans son bureau, en train de pleurnicher, ne devrait pas trouver la solution? Mais madame, peut-être que vous le dites parce que cela ne vous est pas arrivé. Imaginez que vous restez là, qu'on vienne vous dire plus de... qu'il y a eu plus de morts, de plus de 50 ou bon, on peut maintenant estimer à combien. Mais vous imaginez ce poids? Vous pensez que vous allez être à l'aise pour un homme normal? Je dis non. Il fallait envoyer des hommes. Envoyer? D'autres hommes pour les empêcher de continuer à commettre ces infractions. Mais vous ne connaissez pas ce que c'est que l'armée, c'est pour cela que vous le dites. Il y a déjà un fait. Comment est-ce que vous pouvez envoyer une troupe? C'est insensé. Ce n'est pas normal. Le fait est déjà là. La gendarmerie est en place. La police est en place. Quelle autre troupe que vous allez envoyer faire quoi à la place de la gendarmerie et de la police? Désolé, madame. D'accord. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, oui. Vous n'aviez parlé que d'Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba. À part ce dernier, quel autre militaire était au stade et sur ordre de qui? Voilà, c'est maintenant là, c'est ça maintenant votre boulot. Je fais mon boulot depuis le début, hein, monsieur le président. Je dis, c'est ça maintenant votre travail. Je fais mon travail. Non. Laissez-le répondre, madame. Maître, voilà. Je dis, c'est ça maintenant votre vrai rôle. Votre vrai rôle, c'est d'exhiber maintenant des preuves tangibles devant monsieur le président du tribunal que monsieur Camara, monsieur Dadis, tant, a ordonné à tel groupe de militaires d'aller au stade. Monsieur le Président, voilà, c'est de cela qu'il s'agit, madame. Au lieu de contourner autour du pot. Elle veut savoir, à part monsieur Toumba, parce qu'il dit que vous n'avez cité que le nom de monsieur Toumba, à part lui, qui d'autre était au stade? À part lui? C'est sa question. À part lui, il y avait le colonel Tigro. D'ailleurs, qui était même venu me rendre compte par rapport aux leaders politiques que je lui ai ordonné d'envoyer des leaders politiques à Pasteur. Ensuite, je pense que c'est les deux à ma connaissance. D'autres questions? Ok, merci, monsieur le président. Monsieur Camara. Oui. Votre chef d'opération, Joseph Makambo, votre informateur, était censé connaître la quasi-totalité des militaires qui composaient la garde présidentielle. Et ceux d'entre eux qui étaient au stade, oui ou non? Paix à son âme, je respecte son âme, je ne parlerai pas de... Je ne répondrai pas à cette question, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous. Est-ce qu'il ne vous avait pas donné les noms des militaires? J'ai dit, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, ça me perturbe. Je ne voudrais pas répondre à cette question, madame. Il n'y a pas de problème, c'est votre droit. Merci. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous avez déclaré que c'est Toumba qui vous a dissuadé d'aller au stade. Oui ou non? Vous le confirmez? Mais... Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore plus? Je l'ai dit, madame. Vous le confirmez? Oui, je confirme. D'accord. Mais malgré cette dissuasion, vous aviez tenu à vous y rendre. Est-ce que vous n'aviez pas le sentiment ce jour que vous alliez perdre le pouvoir et que votre salut était de vous y rendre? Mais madame, vous êtes en train de mélanger mon procès verbal. Il ne faut pas mélanger, s'il vous plaît. Je suis chronologiquement... Non, vous êtes en train de mélanger, parce que moi, je suis très ordonné. Elle ne mélange pas le procès verbal, votre procès verbal. Vous répondez à la question. Attends,
S'il vous plaît, M. Camara, c'est pourquoi vous devez bien suivre. Elle n'est plus dans votre procès verbal. Je dis clairement, au moment où Toumba m'a dissuadé avec un groupe de militaires, c'est au même moment que je suis venu. Je suis revenu au bureau. Parce que je suis sorti, j'ai vu ce groupe de militaires, je suis même allé jusqu'au niveau de ma voiture, de mon véhicule. C'est là où ils m'ont dissuadé. Et ils m'ont ramené à mon bureau. Comment est-ce que je peux encore ressortir du même bureau? Vous n'avez pas compris ma question, Monsieur le Président. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous aviez déclaré que c'est Toumba qui vous a dissuadé d'aller au stade. Mais malgré cette dissuasion, vous aviez tenu à vous y rendre. Est-ce que vous n'aviez pas le sentiment ce jour que vous alliez perdre le pouvoir? Vous pouvez lire tout le passage pour éclairer la lanterne du président. Vous ne vous arrêtez pas simplement à ce point-là. Vous pouvez... Répondez à la question. Vous ne pouvez pas me donner d'injonction. Non, en ce moment-là, je n'ai pas de réponse à vous. Vous êtes libre de ne pas répondre. Voilà, je n'ai pas de réponse à vous donner. Il n'y a pas de problème. Merci, je poursuis. Voilà. Lors de vos différentes sorties médiatiques, vous aviez toujours déclaré que les manifestants avaient saccagé des commissariats pour y prendre des armes. Quand vous aviez appris cela, quel avait été votre sentiment et votre réaction? Je n'ai pas de réponse à vous donner. Je poursuis. Toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire, à la page 4, vous aviez affirmé qu'il y a eu de nombreux morts au stade et que vous vous étiez précipité tout en disant que ce qu'ils l'ont fait devait être mis aux arrêts et que c'était un complot et une trahison. Oui. Pouviez-vous nous donner les noms de ceux qui avaient fait ce complot et cette trahison? J'en ai déjà parlé, je ne reviens plus là-dessus. Vous êtes libre de ne pas répondre à cette question aussi. Je poursuis. À lire votre procès verbal d'interrogatoire toujours, nous avions l'impression que sur un sujet aussi grave que vous ne parliez qu'avec Joseph Makambo, pas avec d'autres personnes. Alors que dans la conduite des affaires d'une nation, il y a des cadres institutionnels pour s'occuper des questions essentielles. Ma question, pourquoi alors les institutions de la République chargées des questions sécuritaires n'avaient pas été associées à la gestion de cette manifestation? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je poursuis. Est-ce que vous confirmez cette déclaration de M. Pivi à l'enquête préliminaire, selon laquelle c'est du président Moussa Dadis Camara que j'ai appris la désignation de colonel Thiodoro pour la mission de maintien d'ordre au stade du 28 septembre. C'est pas le colonel Pivi qui est devant le président du tribunal, c'est M. Camara, donc je ne réponds pas à cette question. Vous êtes libre de répondre, M. le président, ou de vous abstenir. Mais je continuerai à poser mes questions. Pourquoi avez-vous choisi Kéboro pour la gestion de cette crise, en lieu et place de la gendarmerie et de la police, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question. Monsieur le Président, est-ce que vous avez réellement voulu arrêter le commandant Aboubakar Toumba Diakité? Je n'ai plus rien à dire à ce sujet. Si tel était le cas, pourquoi vous n'aviez pas confié cette mission au ministre de la Défense ou au chef d'état-major des forces armées? Je ne reviens pas sur cette question pour avoir mieux donné d'explications. Aviez-vous été informé des cas de viol au stade? Comme tous les autres à la presse. Et dans l'enceinte du camp Al-Fayya? Non.
Monsieur le Président, qu'est-ce que vous aviez fait des corps des manifestants séquestrés, torturés, assassinés dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, siège de votre présidence? C'est ma première nouvelle. Est-ce que ces corps avaient été restitués à leurs familles respectives? Vous dites? Est-ce que ces corps avaient été restitués à leurs familles? Je ne sais pas si... Je ne connais pas cette situation de corps que vous parlez tant. D'accord, je poursuis. Dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, à la réponse à l'une des questions du juge d'instruction, vous aviez déclaré ce qui suit. Je ne dirai pas qu'il n'y a pas eu de torture, mais je n'étais pas informé. Est-ce que vos services de renseignement fonctionnaient en ce moment? Vous dites? Dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, à la réponse à l'une des questions du juge d'instruction, vous aviez déclaré ce qui suit. Je ne dirai pas qu'il n'y a pas eu de torture, mais je n'étais pas informé. Oui, mais madame, c'est clair. Aucun Guinéen aujourd'hui, il faut être de mauvaise foi pour dire qu'il n'y a pas eu des exactions au stade du 28 septembre. C'est pourquoi j'ai été très clair. Quand bien même que je n'étais pas au stade, mais je sais qu'il y a eu des exactions à l'enceinte du stade. Et par des informations, les informations d'information, et les gens se sont rendus compte. D'accord. Donc je l'affirme ce que j'ai dit. D'accord. Est-ce que je continue, monsieur, je suis satisfait. Ouais. Est-ce que c'était vous qui avez ordonné l'admission des leaders politiques à la clinique Ambroise Paris, où l'initiative venait de votre aide de camp, monsieur Aboubakar Toumba Diakité? C'est bien moi qui ai donné l'initiative au colonel Tegro de les envoyer à la clinique Pasteur. D'accord. Monsieur Marcel occupait quelle fonction au sein de la garde présidentielle? Ah, c'est ce que je viens de dire. Moi, je ne m'occupais pas du tout de leur mouvement au sein du régiment. J'avais juste une confiance aveuglée placée à mon aide de camp. Je travaillais avec Marcel, j'étais ensemble. Donc, les fonctions qu'ils assumaient l'un et l'autre, c'est à eux de vous les affirmer. Est-ce qu'il était l'adjoint de M. Toumba? C'est à lui de vous affirmer, madame. Pour le moment, je m'adresse à vous, monsieur le président. Merci. Et pour cela, c'est à Toumba et c'est leur groupe, c'est eux qui savent. Moi, je ne peux. Est-ce qu'il était son adjoint? Je ne peux rien dire par rapport à ça, madame. Ils sont là. D'accord. Dans le procès verbal d'interrogatoire de M. Toumba Diakité, à la cinquième page, il déclarait ce qui suit. Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mater. Cette phrase n'était-elle pas le résumé de ce qui s'était passé au stade ce jour 28 septembre 2009? Ce sont des allégations, madame. Des allégations pures et simples. Parce que là où M. Toumba a dit clairement devant le tribunal qu'il est sorti sans mes instructions, voyant de cela un peu plus grave, et tout l'objectif, qu'est-ce que M. Toumba ne peut pas dire le capitaine Dadis? Quelqu'un qui a tenté de t'achever, qu'est-ce qu'il ne peut pas dire? Donc, ce qu'il dit, ça n'engage que lui, madame. D'accord. Il poursuit. En face de moi, j'ai vu un homme surexcité,
tout en colère et qui était prêt à se rendre au stade. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration? Reprenez la question. Il poursuit. En face de moi, j'ai vu un homme surexcité. Mais il peut dire... Tout en colère et qui était prêt à se rendre au stade. Il peut dire toutes les allégations, toutes les accusations. Ça n'engage que lui, madame. D'accord, monsieur. Moi, l'essentiel, Dieu m'a donné la chance d'être devant ce tribunal, d'être devant le peuple de Guinée. Indépendamment de sa volonté, c'est ce qui est le plus important pour moi. Tous les autres, ceci, cela, ce n'est pas ce qui est important. Dieu a déjà fait mon travail. Voilà. D'accord. Le colonel Pivi aussi déclarait dans son procès verbal du 10 septembre 2014, à la troisième page, que ces différents détachements avaient pour mission d'assurer la sécurité du siège et d'accomplir toutes les missions et les interventions ordonnées par le chef de l'État. Est-ce que ces détachements pouvaient agir sans votre ordre, Monsieur le Président? Je ne peux pas, je n'ai pas de réponse à cette question, madame. Il ressort des procès-verbaux de colonel Kéboro, PV et autres, que c'est les éléments de la garde présidentielle qui étaient au stade. Est-ce que ces éléments aussi pouvaient s'y rendre sans votre autorisation? L'autorisation? Sans votre autorisation, sans votre ordre. Reprenez bien la question. Il ressort des procès-verbaux de colonel Kéboro, PV et autres, que c'est les éléments de la garde présidentielle qui étaient au stade. Est-ce que ces éléments pouvaient s'y rendre sans votre ordre? Mais, M. Abaka Toumba l'a clairement signifié devant le président du tribunal qu'il a tenté d'aller me chercher sans mes instructions. Il y a une preuve plus que ça? Il y a une preuve qui dépasse plus que ça, madame? Vous aviez déclaré à cette barre que le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, était le commandant du régiment. Vous le confirmez? Je confirme, madame. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a une différence entre le régiment et le régiment de la garde présidentielle? Qu'il y a une différence entre le régiment comme tel et le régiment de la garde présidentielle. Je ne vous parlerai pas de ça, madame. Je n'ai pas de réponse pour ça. Parce que dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous aviez affirmé que commandant Toumba était le commandant du régiment de la garde présidentielle. Qui était alors le commandant du régiment tout court? Oui, mais puisque je voulais parler, vous avez vite... Vous pouvez alors, je vous écoute. Alors donc, madame, là, cette affaire de commandant de régiment, oui. Et comme je le dis, j'ai entendu des gens, bon, les réseaux sociaux en train de dire, mais moi, ce n'est pas les réseaux sociaux qui m'intéressent, c'est le président et ses assesseurs qui m'intéressent. Dire que non, on va voir, il n'y a pas un acte, c'est pas ça. Et puis en m'attaquant même. J'allais même me plaindre à M. le Président, mais j'en passe. Madame, par rapport au commandant du régiment, qu'on soit clair et net, Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, était le commandant du régiment après Aïdor Ba, Saint Alphonse Touré et Aboulaye Keta. 26 éléments signés de lui. L'armée, ce n'est pas le hasard. Écrit noir sur blanc. Vu le commandant du régiment aide-de-camp du PRG, lieutenant Aboubakar Diakité. Ça, c'est un. Alors, lorsque j'entends certains parler d'actes, en ce moment, s'il n'y a pas d'actes, s'il s'est permis d'aller faire la sortie de 26 éléments,
c'est une usurpation de pouvoir. Et je pense qu'en ce moment, la loi sait ce que c'est que l'usurpation de pouvoir. Ça, c'est un. Deux, Monsieur Toumba Diakité, alias, a dit clairement à la barre devant Monsieur le président du tribunal, quand il est rentré dans sa narration, et le moment venu, j'estime d'ailleurs que même mes avocats vont exhiber cette preuve-là, Monsieur le Président, où il dit clairement que par rapport au régiment, blablabla, les autres ne savaient pas que moi, j'étais le commandant du régiment. Si ce n'est pas Dieu, l'unique Dieu là, qui pouvait y croire à cela? Mais moi, je suis serein et je crois en Dieu. Donc, par rapport à cette question, je vais vous donner juste ces deux exemples, madame. Il ne faudrait pas qu'on essaye d'aller de gauche à droite. 26 éléments, où les 26 éléments, et j'insiste, les 26 éléments sont dans la nature. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs une insécurité totale pour la nation guinéenne? Le moment venu, je demanderai à mes avocats de bien vouloir, par le biais de Monsieur le Président, ces 26 éléments, où ils les avaient amenés, où ils sont. Monsieur Camara, sa question était de savoir quelle est la différence entre commandant du régiment et commandant du régiment de la présidence. C'est ça? C'est ça, oui, Monsieur le Président. C'était ça sa question. Oui, Monsieur le Président, par rapport à cette question, comme Toumba lui-même. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux, commandant du régiment et commandant du régiment de la présidence? C'est ce qu'elle a demandé. Moi, ce que je sais, les éléments qui étaient au camp Alpha Yaya, à ma connaissance, ce sont ces éléments-là qu'ils géraient. Maintenant, s'ils géraient autres unités, comme par exemple chez Bégré ou, c'est pas moi, Kamayen, ça, je ne peux pas dire mieux que ça. C'est pas les gens gérés par M. Diakité. Commandant de régiment et commandant de régiment à la présidence. Oui, il était le commandant. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes? Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. C'est la même chose. Commandant du régiment de la présidence, c'est la même chose. Même s'il y a maintenant des détachements quelque part. L'audience est suspendue.